Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo cuisine. On va faire les ailes de poulet roulées à lardon. Alors vous aurez besoin de soy sauce et le gingembre écrasé et le black pepper et lardon. Et puis les ailes du poulet que vous allez enlever la petite partie là et puis vous coupez ça en deux pour avoir des petits morceaux comme ça. Okay? Alors c'est un appétiseur que vous pouvez présenter à vos invités, à votre anniversaire, l'anniversaire des enfants parce que les enfants aiment manger les choses comme ça. Excusez-moi. Ils vont bien manger. Alors, le poulet bien nettoyé, vous enlevez les poils qui restent là, toutes ces choses-là. Et voilà, votre poulet déjà prêt. Et j'ai le soy sauce. Ce que je vais faire, c'est d'ajouter le gingembre. Et puis je le mets. Je mets le poulet. Je mets le poulet et je mélange bien. Alors, la marinade se fait à la veille, hein, à la veille du jour que vous voulez faire ce repas ou cet appétiseur. Je vais ajouter le black pepper. Et je mettrai les quantités, les mesures dans la barre d'infos. Plus que nous, take down the volume. On TV. Cucumbers? No. Mom, we make it tomorrow. Today I'm tired. Yeah. Alors, je vais laisser ça mariner overnight. Et puis demain, je vous montrerai la suite de la recette. Parce que après, avant de mettre au four, on va prendre le lardon roulé et mettre sur le plateau et mettre au four. Alors, à demain. Nous sommes le next day. On va continuer notre recette. Et voilà les ailes que j'ai marinées hier soir. Et là, maintenant, je vais les rouler avec de lardon et puis je vais mettre au four. Faites comme ça, vous posez sur. Ok, alors je veux faire le reste hors caméra et puis je veux mettre au four et je reviendrai pour vous montrer la cuisson. Et vous mettez au four pendant, si vous avez le four électrique, 30 à 35 minutes ou au cas contraire jusqu'à ce que le poulet soit cuit, que ça soit, que le bacon soit un peu crispé
mais pas cramé. Donc vous surveillez. Mais si vous avez un four à gaz, comme moi, mon four est à gaz, et je crois que je vais laisser ça 40 minutes ou 45 et je viendrai pour voir si c'est bon. Et puis je vais vous montrer la suite. Alors merci et à très bientôt. Voici le résultat. Voici le résultat final. Et bon appétit. Je vous retrouve sur une autre vidéo. Bisous. Bye.